Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réaliser une coque de téléphone portable de A à Z soi-même. Alors pour commencer, on va emballer notre téléphone portable de papier sulfurisé et à l'aide de notre pistolet à colle, on va déjà venir dessiner le pourtour à l'avant. Ensuite, quand c'est sec, on vient retourner notre préparation et on vient refaire le tour. Il ne faut pas oublier les écarts pour les branchements, etc. et pour les volumes. Et on vient faire le contour en n'oubliant pas l'appareil photo. On vient remplir le téléphone et quand c'est sec, on peut venir décoller notre coque et vous avez déjà votre support. Ensuite, il nous faut des coquilles de pistache vides, bien sûr, et vous allez découper dans du carton des petites oreilles. On va les coller à l'aide de notre pistolet à colle. Ensuite, on vient peindre ça en visage de chat. Donc, il vous faut du vernis à ongles. Voilà, moi, je me suis aidée d'un dotting tool pour faire le nez, les yeux. Et voilà, à peu près ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait une petite fleur. J'ai placé comme je voulais. Et puis, à l'aide d'un fil, je vais faire ma tige de ma fleur. Ensuite, avec de la déco 3D, la peinture 3D, je viens faire ma petite coque, placer mes petits chats et voilà ce que ça donne. Il faut laisser sécher. Ensuite, j'ai laissé sécher 3 jours. Voilà, vraiment bien pour que ce soit bien sec. Et ensuite, je suis venue peindre avec la même couleur les côtés. Sans oublier aussi le devant. Et voilà ce que ça donne. Ma coque est terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, gros bisous, ciao!